Et salut à tous, c'est Stogreen, on se retrouve sur Tekken 7 pour un peu de multijoueur et on commence tout de suite. Alors le mieux c'est, pour moi, pour les gens que j'ai trouvé, c'est de faire des tournois, de créer des tournois et faire. Donc voilà, ça se présente sur des quarts de finale, demi-finale et finale. Donc là j'attends que les gens se connectent. Allez, on est 8, je vais pouvoir commencer le tournoi. Donc là il tire au hasard. 2 millions de G à gagner. Allez, pour mon premier tournoi, je vais prendre Eiji. Donc ce sera contre King. Allez, c'est parti. Tranquille. Round 2. Fight. Tranquille aussi. Round 3. Bah, elle passe tout le temps celle-là. Oh, il a déconnecté ou quoi? Oh non, ça va. Oh, magnifique. Ça va, ça commence bien, demi-finale. Alors ça sera contre... Ben, je sais pas trop qui c'est. On dirait le boxeur, mais je suis pas sûr. Même s'il a mis patate de forain, donc ça pourrait correspondre au boxeur. C'est ça. Moi aussi j'aime bien jouer le boxeur, il y a de bonnes esquives. Par contre, au niveau des jambes, du coup, il est pas à mi-distance. Il faut garder à mi-distance. Il faut tout le temps être en mouvement avec lui. Bam. Bim. Round 2. Fight. Oh, il m'a eu. Pas mauvais, pas mauvais. Ça va pour le deuxième round. Il a plus le droit à l'erreur. Okay. Ouais.
C'était chaud quand même, hein. il jouait bien le boxeur, il était rapide avec. Mais bon, par contre, il jouait pas avec ses esquives. Le boxeur, normalement, il est super fort avec ses esquives. Allez, la finale. Maintenant, il va falloir assurer. Ah, c'est là, j'en peux plus comment ça s'appelle. Par contre, il lui a fait un habit un peu bizarre. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Je sais pas si je vais quand même gagner, mais bon, on va voir. Boum! Ouf, c'était serré. Hein. C'était serré. Jouer. Allez, on va se concentrer. Putain, mais elle a des enchaînements, elle te lâche pas quoi. Après, quand tu es par terre, elle te défonce. Putain. Vamos acabar com isso agora. Oh là là là, c'était serré. Final round. Fight. Putain, mais elle fait toujours la même chose, faire que ça quoi. À part son enchaînement. Putain. Elle a qu'un seul enchaînement quoi. Eh ouais, fait chier, bien joué. Bon, ça aurait été quand même finir deuxième pour le premier tournoi, c'est pas mal. Allez, je vais commencer un deuxième tournoi. Cette fois-ci, je vais prendre Warang, je pense. Ou non, je vais commencer par le boxeur. Je vais prendre plusieurs personnages si je gagne. Je vais essayer de varier. Donc ce sera contre un Warang. J'ai bien fait de pas prendre Warang, j'aime pas jouer contre les mêmes personnages. Round 1. Fight. Oh, perfect d'entrée. C'est qui une patate de forêt. Fight. Ha!
Paf! Paf, 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 la grosse esquive. Oh, il frappe fort le boxeur dans celui-là de Tekken. Pop, pop, pop. Allez, je vais reprendre mon Steve. Donc ça sera contre un Feng, l'ennemi de Lao. C'est un peu un remake de Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Allez, go! Round 1. Fight. Putain, il m'a défoncé, j'ai rien compris. Round 2. Fight. Putain, il me laisse pas frapper quoi. Round 3. Fight. Oh, comment il m'a eu là, j'y crois pas. Bien joué. Allez, on va voir la finale. Donc ça sera Feng contre Elisa, la femme robot. Round 1. Fight. Elle est pleine de pouvoir. Elle peut sortir de ses mains des tronçonneuses. Elle peut lancer ses poings, décrocher sa tête, fait plein de trucs. Elle est vraiment forte elle aussi. Mais lui il est pas mauvais avec Feng, franchement. Ah, je crois qu'il a gagné. Ouais, bien joué, bien joué. Bon, et si je peux vous parler un peu de mes impressions de cet Tekken 7, franchement je le trouve vraiment pas mal. Parce que, on va dire la série Tekken c'est assez vieux, il y a beaucoup de gens qui ont joué. Et donc dans les soirées pour s'amuser entre potes à la maison, je trouve que c'est un bon jeu, c'est moins compliqué qu'Injustice. Et donc du coup c'est plus facile à prendre en main. Quand vous êtes accompagné de deux copines à la maison, elles ont plus tendance à vouloir jouer à un jeu comme ça que à un jeu comme Injustice qui est beaucoup plus compliqué quand même. Ah, hier soir j'ai fait une petite soirée à la maison. Ah, elle a gagné. C'est serré. Mais d'ailleurs, ces nouveaux courages là, ça fait vraiment la différence pendant le combat. Selon le moment où on le déclenche, c'est ce qui fait la victoire quoi. Même des fois c'est abusé un peu je trouve. Mais sinon en termes de gameplay, il est nerveux, il est vif. Moi j'aime bien. Ah trop tôt. Ah il fait mal ce coup là rapide avec l'épaule là, tout à l'heure il me le faisait celui-là. Il va gagner, c'est obligé. Ouais, petit coup de pied en bas. Round 4. Fight. Ah, trop tôt. Je pense qu'elle a perdu. Parce que lui, il va lui déclencher son coup. Là, s'il attend pas. Ah, il aurait dû l'envoyer maintenant. Ah, voilà, il a fait. Oh ! C'est serré, c'est serré.
Par contre, la pelle dans le dos, je trouve ça moyen un peu. Faut attaquer en bas là. Ah ouais. Faut qu'il attaque en bas. Ça c'est bien joué. Bien joué. On recule. Attaque directe. Ah, dommage. Son coup de tout à l'heure là, que je vous disais qui était bon et qui l'a fait gagner. C'était un beau combat. Allez, je vais en faire un dernier. Allez, je vais prendre Sahim pour ce nouveau tournoi. Donc c'est un personnage que je connais pas trop, mais qui est pas mal. Ah, ça va être chaud, un Warren qui a gagné deux fois le tournoi là, récemment. Si j'avais su, j'aurais pris Edgy, je crois. لا أريد إذاعك لكن سأقاتلك إذا اضطررت Round 1 Fight سأقضي عليك انتهى أمرك بوف j'ai de la chance Round 2 Fight Putain, il te laisse pas, une fois qu'il t'enchaîne, il te lâche plus quoi. Fight. Putain. Round 4. Fight. Oh merde. C'est serré. Final round. Fight. Putain, il arrête pas. Bam! Oui! C'était serré! Bravo, Sahim! Contre un low. Ah, quand ils sont bien joués, les low, c'est chaud. Attendons-nous à ne que tu sortir à Hazimati. Round 1. Fight! J'essaie de faire un coup, j'arrive pas. Ah, ça y est.
Bim, magnifique ce que je lui ai fait, elle a rien compris. Round 2. Fight. Ah, il est trop bien ce coup. Bam. Round 3. Fight. Merde, j'étais pas concentré là, faut que je m'en concentre. Round 4. Fight. Olé! Oh. Allez, la finale. Encore contre un low. Round 1. Fight. Ok, le mec il m'a bloqué, je peux rien faire. Putain, il m'a défoncé. Round 2. Fight. Putain, c'est pas possible. Putain, c'est un truc de fou, il me défonce. Round 3. Fight. Putain, mais je me décale, pourquoi je le prends? Ah, elle enchaîne trop. Ah, franchement, il joue bien, j'ai rien compris. Bon, je vais faire un dernier combat, je vais essayer de chercher un combat en match contre classement. Et après, on s'arrêtera sur ça. Oh, celui-là, je sais même pas ce qu'il vaut, j'ai jamais joué contre lui. Ça, c'est un nouveau personnage. Round 1. Fight. Wow, 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 c'est calme là. Ça va, tranquille pour l'instant. Fight. Alors avec Eiji, tout le secret reste dans le rythme. Aïe. Hop, petite prise. Ah, il m'a bloqué. Perfect.
Donc voilà pour ce multi sur Tekken, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.